Bonjour mes petites lucioles, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, je suis là pour vous montrer des pops que j'ai achetés en convention ce week-end. On va commencer avec celle-ci du film que je suis occupée à regarder. C'est Capitaine Crochet de. Oh. Le nom est juste là, je ne sais pas dire exactement en français. C'était le nom en français, c'est toute une histoire, un truc comme ça. Je vous montre l'arrière de toute la collection. Voilà. Alors, je vous montre celle-ci qui est de Sally dans Jack. Elle est aussi magnifique. J'espère que vous la voyez bien. J'ai le soleil qui tape dans la caméra. C'est chiant. Elle est vraiment belle. Là, l'arrière de toutes les pop. Alors, j'ai une autre que j'attendais depuis un moment. C'est les bébés nifleurs. Je les trouve magnifiques. J'ai envie de les déboxer. Non, j'arrive pas à voir le plastique, j'ai pas abîmé. Je ferai une autre fois. Elles sont pas faciles à sortir. En plus, la boîte. Voilà. Alors, je vous montre un autre pack qui est aussi depuis un moment que je le vois en convention et que oh, je vais le prendre. Après, je l'ai vu. Une fois, je l'avais vu un petit peu abîmé, du coup, je l'ai pas pris. Et ici, je l'ai trouvé sans être abîmé. C'est Mickey et Mimi. Je pense que c'est de la Saint-Valentin. Elles sont trop beaux. Je ne sais pas si vous voyez bien Mickey. Il a un petit cœur dans sa main. Mini. Avec son petit air, avec ses petits yeux. C'est magnifique. Je vous montre comme ça l'arrière. Vous voyez bien Mini et Mickey en grand. Ils sont vraiment beaux. J'adore. Voilà. Alors, celui-ci. C'est Falloy, Falloy, c'est du jeu. Tout en vert. Et elle est cachée aussi. Celle-ci, elle est aussi magnifique. Je sais pas si vous connaissez. Dites-moi en commentaire. Je vous montre l'arrière de tout ce qu'il y a. Voilà. Après, en dernière pop. Celle qui me manquait dans ma collection, c'est Crash Bandicoot Jetpack. Comme ceci. Avec ses lunettes et son casque. Voilà, je vous montre. On le voit bien là. Hop. Le vrai. Hop. Et je les ai tous maintenant. Il paraît qu'il en a sorti des nouveaux. Bientôt. J'aimerais bien. Alors, ça, c'est une autre figurine de chez Pop. Enfin, pas feu comme Poc, Poc, Pop. C'est Jack comme ceci. Et là, on le. C'est une petite boîte qu'on ouvre comme ceci. Je trouve trop mignon aussi. Il y en a d'autres. C'est une nouvelle sortie. C'est. Fuck up. Là, je vous montre. Voilà. Le côté. C'est pour un spécial, je pense. Voilà. Après, j'ai acheté les nouveaux Mickey. Comme ceci. Le. Je sais pas. Celui-là, c'est lui avec son costume. Je le trouve trop beau. Celui-là, je vais retirer comme ceci la boîte. On le voit beaucoup mieux. Il est trop chouette. J'adore. Voilà. Alors, j'en ai acheté un deuxième. Celui-là, par contre, il n'est pas déballé. Je vais le déballer tout de suite. Voilà. Je vais le retirer le dessus, comme ça, vous le voyez bien. C'est celui ici. Je trouve trop mignon aussi. Après, il y en a 12 autres. On avait.
Il y en a un, deux, trois qui me plairaient bien. J'aime bien. Je vous montre la collection. Voilà, celui-ci. Alors, j'aime bien celui-là. Et alors, j'aime bien celui-là. Et puis, j'aime bien le en cousinier. Regardez qu'il est bon en cousinier. Je sais pas si je pouvais les trouver. Je les prendrais. Alors, je vais vous montrer. J'ai acheté aussi des Mystère et Mimi super-héros. Que j'ouvrai ça dans une autre ouverture. J'en ai 6, je pense. Voilà. Et alors, le plus gros que j'ouvrai aussi dans une prochaine vidéo, c'est la boîte, la box de Les Vilains, qui est normalement, voilà, je vous la montre, de, hop, yop, voilà. Voilà ce que j'ai acheté en convention. Disney Vilain. Ça et les petites Mystère et Mimi, ce sera dans une prochaine vidéo. Faut pas non plus trop gérer. Comme j'ai un petit peu de temps, j'aimerais bien quand même essayer de avoir. Voilà, j'ai mes deux petites boules de poils. Je les adore. Celui-ci, il est trop mignon. Il est tout petit. Tout mignon. Tout mignon. Je vous montre plus près. Et les détails des poils. J'adore. J'adore. Voilà. Celui-ci est beau. Et alors, son petit frère. Celui-ci, je trouve encore plus mignon que l'autre. Assis comme ça. Il est beau. Voilà. Maintenant, je les rangerai après. Ce sera après. Voilà. Est-ce que vous essayez de voir Mickey et Minnie, peut-être? De plus près, ce serait bien. C'est juste qu'ils sont toujours pas faciles à ouvrir. Et j'ai vraiment pas envie de les abîmer. Comme ça, on va les voir beaucoup mieux. C'est vrai qu'elle est magnifique. Les oreilles. Son petit cœur. Là derrière, sa petite queue. Elle est magnifique. Après, il y a Mimi. Le petit couple. De chez Mimi. Est très très belle aussi. J'aime bien son regard. Elle est très belle. Vraiment belle. Je la mets dans la boîte, ça vaut mieux. Qu'est-ce qu'on pourrait déboxer d'autre pour vous montrer? Peut-être Sally. La crache, j'ai pas envie de la déboxer parce qu'elle est dans une double, dans une protection en plastique. Je sais pas si vous voyez. Hop. Pour la protéger. Je vais tous les protéger après. Tous ceux-là vont être protégés dans une boîte en plastique comme ceci. Voilà. Ça protège les boîtes pour pas les abîmer. Ça prend pas la poussière non plus comme ça. Et on peut passer un petit coup de chiffon sec, bien sûr, sur la boîte. En plastique, ça n'abîme pas du tout comme ça. C'est comme en carton, souvent les poussières, c'est plus ennuyant. Allez, on va déboxer la dernière Sally. Comme ça, je l'aurais vu de plus près aussi. C'est qui? Voilà. Et voici. Voilà, moi je vous dis, dans une, vous mettez-moi un petit commentaire de l'époque que vous avez acheté,
ou que vous avez, si vous avez ni fleurs, si vous avez sali, si vous avez les crashs, voilà. Tout ça quoi, voilà. Les Mickey, Mimi, et mettez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous, mettez la petite cloche qui est sur le côté. Et je vous dis à prochaine pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!